Et enfin, pour finir, puisque nous sommes ensemble, j'aimerais quand même vous parler du dialogue national. On a fait le 30 août 2023, quand les militaires finissent de faire un coup de la libération, ils mettent les institutions en place, le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement, la Cour constitutionnelle. Mais après, il faut dialoguer avec les populations, il faut échanger. Quand on arrive comme ça, les gens ils pensent qu'on fait le populisme. Non, je viens écouter vos problèmes. Vous avez échangé autour d'un dialogue. On a mis ce dialogue pour que les Gabonais échangent. Au départ, il y a eu 38 000 contributions. De ces contributions, vous êtes partis en Burundi. Vous étiez 600. Il y avait les hommes de Dieu, les évêques. Il y avait le gouvernement. Il y avait les magistrats, les membres de la société civile, les partis politiques, tout le monde réuni. Vous avez discuté, vous avez sorti 1000 conclusions. Dans ces 1000 conclusions, après, il faut faire le tri. Parmi ces conclusions, il y a les conclusions sur le social, les jeunes, le chômage. C'est ce qui est important pour moi. Comment est-ce qu'on peut changer ce pays? Le social. Il y en a qui vont prendre des décrets, il y en a qui vont prendre des arrêtés signés par le premier ministre, et il y a d'autres, des réponses politiques qui vont rentrer dans ce qu'ils appellent la rédaction de la Constitution. Et c'est là où le mal blesse. Quand je regarde tout un pays, ce qui les intéresse, c'est ça, la politique. Depuis 60 ans, on a fait la politique. Et rien n'a changé dans ce pays. Voilà les enfants des militaires qui arrivent, qui vous mettent de l'empathie. Ils veulent toujours vous amener dans la police. Je veux souhaiter qu'un général me dise, oui, le social, on fait comme ça. Voilà les réformes sur la pêche, voici les réformes sur l'économie. Mais tout ce qui les intéresse, c'est la police. Et là, ils disent, maintenant, ils ne se reconnaissent pas dans le salaire. Quand nous avons fait le coup de libération, nous les avons tous appelés, nous les avons consultés, les forces vives de la nation. Ce sont eux qui nous ont dit la charte doit s'inspirer de la Constitution du 26 mars 1991. Nous ne sommes pas des juristes. On a fait du copier-coller. Que l'autre dise, ouais, ils ont fait du copier-coller, oui. On a bien copié. Mais qu'est-ce qui était écrit en 1991? Donc eux-mêmes, quand ils nous ont proposé, ils n'ont pas eu. Ou ils avaient oublié. Parce que ils étaient en 91 en ce temps la démocratie, quand ils faisaient les assises. La conférence nationale, ils étaient. Et aujourd'hui, on veut nous faire porter le chapeau. On vient me dire, non, il ne faut pas appliquer ça, ce n'est pas bon. La Constitution de 1991, elle a été la meilleure des constitutions. Mais elle a été vidée de son sens parce que les gens trompaient le président Mbonimpa. Et là, il veut encore les tromper. Ils me disent, pour ne pas appliquer ça, pour choisir ça, pour faire ça, pour laisser ça. Et moi, je dis, le peuple qui nous a soutenus et qui était au dialogue, moi, je fais ce que le peuple veut. Si le peuple a décidé que la limite d'âge c'était 70 ans, c'est 70 ans. Pourquoi on va me le repousser? Ils vont arriver ici pour vous diviser. Et par les questions, ils vont vous former les fonds. Le fond du monde. On ne m'a même pas encore remis ce qu'ils appellent le projet de constitution, qui sont déjà en train de former le Front du Nord. Mais pourquoi faire? On est ensemble jusqu'au bout. Et quand on est avec un président, on est avec lui jusqu'au bout. On ne vient pas ces émotions personnelles.
S'il faut me défendre, mon dialogue, vous défendez mon dialogue. C'est le dialogue des Gabonais. Et c'est devenu le mien. Parce que je veux que ça se réalise. Il n'y a pas à dire, je n'étais pas là-bas. Il n'y a pas à dire, il y en avait que 10 ministres. Il n'y a pas à dire, non, je ne sais pas. Et assumer. Parce que quand on est une équipe, on ne marque pas les buts dans son propre camp. Quand on est une équipe, on va ensemble. Et voilà pourquoi j'aime les militaires. Si ça coule, on va couler ensemble. Et c'est ce genre d'homme politique que j'ai besoin. C'est les courageux, pas les hésitants. Quand on dit les chars en avant, c'est en avant. Quand on dit en guerre, c'est en guerre. C'est pas essayer de reculer. Non, je ne sais pas là-bas. Non, je ne me prononce pas. Pourquoi? Vous devez vous prononcer. Et vous devez dire quelle est votre position. Et vous devez suivre notre position. Parce que vous êtes bien ministre. Et c'est moi qui vous ai nommé. Mais si on a des points de vue divergents, il faut prendre vos coups. C'est tout. Et je comprendrai. La guerre, on ne la fait pas dans le dos, on la fait frontalement. Arrêtez de vous cacher. C'est le moment de montrer à cette population si vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi. Dis-moi, vous ne savez pas où je vais. Et dis-moi, vous n'êtes pas capable de me suivre. Qu'est-ce que vous faites avec moi? Dis-moi. C'est clair. Et quand on vous pose des questions à la télé, vous hésitez. Mais ce que vous oubliez, c'est que parfois, c'est moi-même qui envoie les journalistes et poser la question à vous. Je veux passer à la télé, oui, poser la question, je veux voir. Et je suis au 20h et je regarde et j'analyse les réponses. Parce que tout ce que le monde sait faire militaire, c'est l'analyse. Et ça nous amène l'autre. Donc si en 10 mois, vous ne savez pas ce que vous faites avec vous, vous ne savez pas là où. Et ça, il faut maintenant que les gens se prononcent. Parce que les phases qui vont venir, vous allez attendre. Nous sommes dans la transition et la transition va prendre des retours. Je vais donner un autre village. Et c'est de ce village dont ils ont peut-être peur. Et que certains veulent sauter du bateau. Allez-y. Mais nous sommes avec les militaires d'Indien. Et ça, je compte sur vous. Je n'ai que vous comme soutien, je n'ai que le peuple, et ce peuple de vous. Et moi, je vous le présente. Donc, ensemble, nous allons réussir. Ce n'est pas dans quelqu'un prononcer des arguments, et je vois vous reprenez ces arguments dans ce long discours. Et vous dites quoi d'autre? Lui-même, il est en 2023. C'est lui qui a fait les assises de février 2023. Il a maintenu l'âge à 70 ans. Aujourd'hui, il passe sur les télés, il critique. Et vous aussi, vous agitez à lui. Après, on me demande qui peut avoir le courage de nous répondre. Mais s'il n'avait pas le courage de la raison politique pour le répondre, nous les militants, on va le répondre. C'est aussi ça la politique. C'est le bon qu'on nous attaque. N'attendez pas que je donne l'ordre. Vous êtes avec moi, vous répondez. Et je vous ai fait venir parce que vous êtes mes soldats.
Donc on attaque le CDRI, tout le monde attend, personne n'est dit, on regarde, on me demande, mais qui peut répondre. Mais c'est vous les hommes politiques, c'est la politique, non? Qui vous attaque en politique, le bonheur politique, s'ils sont avec le physique, vous les militants, on va sortir. Les hommes politiques, répondez. Ils ont peur de reprendre, c'est ça le CDR. Oui. Et ils s'approchent sur son petit mensonge. Voilà la vérité. Allez répondre, je veux voir devant les écrans. Faites les face à face. S'ils sont avec le physique, on va sortir avec le physique. Mais il parle politiquement. Le problème politique, non. Et vous le prouvez qu'il a tort et que vous êtes avec moi. Nous